Ok, on va se tenir debout la parole de Dieu, I'm sorry. We're going to please stand for the word of God. Voilà. On a pris un petit retard pour être pas déranger à prendre des sentants, il a fait un mauvais pas. We will delay because Papa. Et donc, ça, is de, donc, c'est ce qui a pris le temps, mais ça va. This is what the leaders, but it's fine. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu là. Délivre toujours. Always happy to the righteous, but God always delivers him, and none of his bones remains broken. Amen. Solide. So he's standing, sound. Il a adoré son père. Yeah. Worship his father. Amen. Amen. Allons-y. Let us go. In English first. Reading the word of God, Matthew chapter 25, verse, reading from verse 14. Again, it will be like a man going on a journey, who called his servants and entrusted his wealth to them. To one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So also the one with 2 bags of gold gained 2 more, but the man who had received one bag went up, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the masters of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you had a hard man. You are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not gathered seed, scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers so that when I return, I will have received it back with interest. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an ember in abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. And throw that worthless servant outside in the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. In French. Amen, je lis la parole. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre et cachant l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apporta 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur.
Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et lui dit, « Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici j'en ai gagné deux autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Amen. » Gloire à Dieu. On peut s'asseoir. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Effectivement, la fois passée, on a vu la parabole du figuier. We saw the parable of the barren fig tree last week. Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on a retenu, so what we kept, c'est que le Seigneur a planté. Is that the Lord has planted in His church? Et il t'a planté pour que tu sois utile. And He's planted you for you to be useful. Est-ce qu'on a vu cela? Have you seen that? Et on a vu aussi que toi qui l'as planté, il viendra à toi pour chercher des fruits. It will come to you to seek fruit. Amen. Amen. C'est ce qu'on a vu, n'est-ce pas? This is what we saw, right? Alors, donc on a vu ces choses là, non, là. Aujourd'hui aussi, on veut voir la parabole. So today also, you want to see the parable of talent. Alors ici, on peut rappeler que parabole. We can remind that a parable. C'est un récit. Court, symbolique. It's a short recital that is symbolic. Mais qui utilise les symboles de la vie courante. But that uses symbols of daily life. Pour expliquer des réalités spirituelles. To explain spiritual realities. Des symboles de la vie de tous les jours. Symbols of daily life. Pour expliquer des vérités morales ou spirituelles. To explain truths that are moral or spiritual. Alléluia. Amen. Et dans cette parabole-là, and in that parable, l'homme de qui on parle ici, the man they're talking about here, c'est Jésus-Christ lui-même. Is Jesus Christ himself. C'est lui qui est le maître. He's the one who's the master. Et c'est lui qui a été avec nous. And he's the one who was with us. Et c'est lui qui est parti. And he's the one who left. Mais avant de partir, but before leaving, la Bible dit qu'il a donné des talents. The Bible said that he's given talents à ceux qui le servent. To those who serve him. Il a donné des talents. He's given talents. Et les talents-là, and those talents, c'est au niveau de la parabole, on a vu que c'est de l'argent. And the parable, we've seen that it's money. Mais les talents aussi, ça peut être un savoir-faire. But the talent may also be a know-how. Ça peut être. It may be. Tout ce qu'on peut fructifier. Everything that can be fruitful. Les talents, c'est quoi? C'est ça. That's what talents are. Savoir-faire, tout ce qu'on peut fructifier. It has to be everything that can be fruitful. Et vous voyez, plus que le monde avance. And you see that the more the world goes forward. La science augmente. The science goes higher. Et l'homme devient de plus en plus performant dans and plusieurs domaines. And man becomes more and more performant in many areas. Un domaine de performance devient un talent pour toi aussi. So an area of performance becomes a talent for you as well. Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each other? Dans les temps de Jésus, il n'y avait pas caméra. In the time of Jesus, there was no camcorder. On pouvait pas parler de savoir-faire. We couldn't speak of know-how. Aujourd'hui, ça existe. But today, it exists. Donc, savoir manipuler cela devient savoir-faire. So now, know-how to manipulate that becomes a know-how. Il n'y avait pas de computer. There was no computers. Aujourd'hui, ça existe. But today, it exists. Et les gens qui naturellement savent manipuler ces choses. And there's some people who know how to manipulate these things naturally. Donc ça devient savoir-faire. So it becomes a know-how. Mais à fructifier. But to be fruitful. Donc Dieu a donné des talents à chacun. So God has given talents to everyone. Donc on a vu dans la parabole que à tous, chacun a eu quelque chose. So we've seen in the parable that all got something. Ça ne dépend pas de combien on t'a donné. It doesn't depend on how many were given to you. La question est de savoir est-ce que tu en as reçu. Amen.
The question is to know, have you received any? Parce que la récompense qu'on verra plus tard. Because the reward that you will see later. N'est pas lié à combien tu as eu. It's not linked to how many you've received. C'est lié. It's linked. À comment tu as travaillé avec bonté de cœur et avec fidélité. It's linked to how you've worked with goodness of heart. Que tu aies eu un peu ou beaucoup, c'est pas ça que le problème. You have received a little or a lot, that's not the problem. Mais est-ce que tu as opéré ce que tu as eu? But have you operated with what you've received? Est-ce que tu as opéré dans un bon cœur? Have you operated with avec good bon cœur? With good heart. Donc chacun a eu des talents. So everyone got a talent. Dis à celui qui a peur de toi, tu as eu, Dieu t'a donné quelque chose. Tell your neighbor, you've received something. God has given you something. Écoutez. Listen. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un sur la terre sans qu'il lui ait donné de quoi à pouvoir ses besoins. God cannot leave someone on earth without giving him anything to provide to his c'est need. Pas possible. It's not possible. Dieu ne peut pas te faire habiter quelque part. God cannot make you live somewhere sans qu'il y ait là où tu habites. Without it be there where you live, tout pour pouvoir à tes besoins, à everything to provide to your needs and your security. Yes. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand? Il est juste. It's just. Donc Dieu ne peut pas te laisser sur la terre. So God cannot leave you on earth. Sans te donner des talents pour pouvoir croître et pour pouvoir t'occuper de ceux qui t'appartiennent. Without giving you talent, ils sont sous ta responsabilité. For you to grow and take care of those who belong to you and that are under your responsibility. Et Dieu est juste. And God is righteous. Il t'a donné quelque chose. He's given you something. Le fait de ne pas pouvoir, de ne pas savoir ce que tu as. The fact of not knowing what you have. Soit. Either. Tu méprises ce que tu as. You despise what you have. Soit c'est une ignorance, c'est tout. Or you just ignore it. Est-ce que tu me comprends? Do you mais Dieu t'a donné quelque chose. But God has given you something. Peut-être que tu n'as pas encore commencé à utiliser. Maybe you haven't started using it. Mais c'est ce que tu maîtrises mieux. But it's what you master the most. Alléluia. Mais s'il t'a donné, c'est pour un but précis. But if he's given you, it's for a precise goal. Parce que Dieu ne travaille pas en vain. Because God doesn't work in vain. Donc Dieu a donné à eux tous. So God has given to all of them a talent. Toi qui appartiens au Seigneur. You will belong to the Lord. C'est certain qu'il t'a donné quelque chose. It's certain that he's given you something. Ça ne dépend pas de combien, je répète encore. It doesn't depend, I repeat again, of how many. Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Mais ça dépend. But it depends. De comment tu vas utiliser ça? On how you will use it. Et ça dépend de l'état de cœur dans lequel tu utiliseras. It also depends on the state of the heart in which you will use it. Répète à celui qui est près de toi. Repeat it to your neighbor. Alléluia. Amen. Ça dépend de comment tu vas utiliser. It depends on how you will use it. Et l'état de cœur dans lequel tu vas utiliser ce que Dieu t'a donné. And the state of heart in which you will use what God has given you. Amen. Amen. Alors quand il est parti, so when he left, et qu'il a donné, and that he gave, la Bible dit aussitôt. The Bible says immediately. Aussitôt. Immediately. Celui qui avait cinq. He who had five. Aussitôt il a commencé à mettre en valeur. Immediately he started putting it into value. Il n'a pas commencé à réfléchir. He didn't think. Il n'a pas commencé à voir, oui, comment. Il a commencé aussitôt à mettre en valeur. What am I going to do? He started immediately to put it into value. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Il a commencé à travailler ce que Dieu lui a donné. He started working with what God has given him. Tu ne peux rien faire si on ne t'a rien donné. You can't do anything if you were not mais given anything. Mais ce que tu sais faire. But what you know how to do. Mets au service du Seigneur. Put it in the service of the Lord. Et tu n'attends rien d'autre. And you don't wait for anything else. Commence ce que tu as. Start with what you have. Ne cherche pas à faire quelque chose avec ce que tu n'as pas. Don't seek to do with what you don't have. Voilà quand la Bible dit la bonne volonté ça, elle est liée à ce que tu as au moment même là. This is why the Bible says the goodwill is linked to what you have at the time. Tu ne peux pas dire quand j'aurai l'argent je te donnerai. Non, ce que tu as là même. You can't say when I have money I'll le give you. Que ce soit what petit, you have grand, right now, c'est ça qui est suffisant. Small or big, that's what's enough for the Lord. Est-ce que tu me comprends? Do you understand? Donc la Bible dit aussitôt il a mis en valeur. So the Bible says he started multiplying it. Donc, dans l'histoire de Dieu là. So in the story of God. Le temps est très important. Time is very important. Il faut pas attendre. You shouldn't wait. Donc pour servir Dieu Jésus-Christ. So to serve God Jesus Christ. N'attends rien. Don't wait for anything. Si tu attends. If you wait. Ce que Dieu t'a donné là. It means that what God has given you. Tu n'es pas en train de le mettre en valeur. You're not putting it into value. Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Et si tu te dis que non, je ne sais pas quoi faire, c'est que tu n'as and pas décelé ou tu méprises ce qu'il t'a donné. If you tell yourself you don't know what to do, it means that you don't know or you despise what he's given you. Est-ce que tu me comprends? Do you understand? La Bible dit celui qui met la main à la charrue. The Bible says he who puts his hand to the chariot. Qui arrive en Christ.
and who comes to Christ, qui fait partie d'une église, and who is part of a church, et qui regarde derrière, and who looks behind, et il regarde à tous ceux qui peuvent le bloquer, and he's looking at all those who can block him. Il regarde à tout ce qui peut l'empêcher d'être fully, d'être totalement effectif. He's looking at all these that can stop him and prevent him from being completely efficient. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. He's not worthy of the kingdom of God. Il commence à avoir des préjugés. Who starts having prejudice. Tout ce à quoi il peut réfléchir pour savoir mais comment je vais faire tout ça. All that he can think to think, how am I going to do it? Quand tu mets la main à la charrette. When you put your hand to the chariot. Commence avec ce que tu as. Start with what you have. Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Commence avec ce que tu as. Start with what you have. Alléluia. Amen. L'essentiel c'est de mettre en évidence. The essential is to put it in. C'est de mettre en valeur. Is to put it into value. Alléluia. Amen. La Bible dit, Paul dit. The Bible says. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Brethren, I don't think I seize it. Christ quoi, parfaitement. Oh, I don't think I grasp him perfectly. Mais je fais une chose. But I do one thing. Oubliant ce qui est derrière, forgetting what is behind, et me portant vers ce qui est en avant, and focusing on what's ahead. C'est-à-dire poursuivre Jésus. It means to follow Jesus. Il dit j'oublie ce qui est derrière. He says I forget what's behind. Mais ce qui est derrière, la plupart du temps, c'est pas trop intéressant. Most of the time, it's not too interesting. Parce que très souvent dans le passé, because very often in your past, les souvenirs qui te viennent. The memories that come. Généralement. Generally. C'est pas les souvenirs, c'est pas les bons souvenirs. They're not good memories. L'ennemi t'envoie toutes les échecs du passé. The enemy brings you all your failures of the past. Il t'envoie tout ce qu'on t'a fait de mal. He brings you everything that was done wrong to you. Il cherche à te donner tout ce qui exprime ta défaillance. He seeks to give you everything that expresses. C'est ça qui semble affecter ta mémoire. And that what seems to affect your memory. Voilà pourquoi David dit. This is why David says. Ce que je vais repasser dans mon âme. What I will recall in my soul. Non, d'abord. First, il dit quand je pense à ma détresse. He says when I think of my distress. Et quand je pense à ce que je subis de mal. And when I think of what happened to me badly, mon âme est abattue au-dedans de moi. My soul is grieved inside of me. Oh, quand ton âme est abattue, though when your soul is grieved, tu ne peux pas être performant. You cannot be performant. Tu ne peux pas agir. You cannot act. Tu ne peux pas être actif. You cannot be active. Frère, c'est avec le cœur on agit. Brethren, it's with the heart that we act. Là, on parle d'encouragement. This is why we speak of encouragement. Là, on parle de courage. This is why we speak of courage. Est-ce que je me comprends? Do you understand me? Quand il dit ce que je vais faire. So he says, what I will do is to recall in my soul que les bontés de l'Éternel that the goodness of the Lord are not worn out. Et que se renouvelle chaque matin. That they renew every morning. Donc je ne vais pas penser à comment j'ai échoué. So I will not think of how I failed. Je ne vais pas penser à comment m'humilier avant là. I won't think of how I was humiliated in the past. Je ne vais pas penser à comment j'étais mauvais avant. I won't think of how bad I was in the past. Mais je vais penser que Dieu peut renouveler sa bonté pour moi. I will think of that God can renew His goodness for me. Je vais penser que avec Dieu tout est possible. I will think that with God everything is possible. Écoutez, si un homme de Dieu, une femme de Dieu, un chrétien, or a woman of God, a Christian, regarde à ses incapacités, looks to his inability, regarde à ses défaillances, and looks to his failures, ne peut jamais servir Dieu, or to his defects, he can never serve God efficiently. Parce qu'en fait, je te dis, because actually, I will tell you, c'est pas par tes forces là que Dieu sert. It's not by your strength that you serve. Dieu sert par l'esprit qui agit en toi. God serves by the spirit that works in you. And another thing. C'est les hommes, c'est ce qui est faible qui prend. And it's what is weak that it takes could confuse what's strong. Et je te dis encore autre chose. And I'm going to tell you another thing. La Bible dit. The Bible says. Que cette grande puissance là, il a mis ça dans des vases de terre. That this great power is put in vases of earth, vessels of earth. Pour que en agissant. So that while acting. On donne la gloire à Dieu. We give the glory to God, but not to man. Vase de terre, ça veut dire tu as un être humain, tu as des défaillances. Every vessel, it means you human being, you have defect, you have failures. Tu vas te rappeler que tu es rien, tu es rien. You have to remember that you're nothing, you're human being. Tu rappeler que Dieu est un Dieu tout puissant. Remember that God is an Almighty God. Donc quand tu regardes à toi, tu peux jamais servir Dieu. So when you look at yourself, you can never serve God. Ce n'est même pas toi aussi. It's not even you. Parce que vous voyez souvent les êtres humains se pardonnent même pas. Often human beings don't forgive one another. Et je vais te dire encore. And I'm going to tell you again. Si tu regardes ton humanité, if you look at your humanity, tu vas mépriser la puissance de Dieu qui peut t'utiliser. You will despise the power of God that can use you.
Ça, c'est la meilleure manière de bloquer l'onction. That's the best way to block the anointing. Bloquer la puissance de Dieu qui passe par toi. Block the power of God that goes through you. Parce que si tu te regardes toi-même. Because if you look at yourself. Mais tu vas te demander mais pour comment Dieu va t'utiliser. You will wonder how God is going to use you. Tu ne pourras jamais t'exprimer à ton best. You will never be able to express yourself at your best. Prenons un petit exemple. Let's take a small example. Quand tu es venu aux États-Unis nouvellement. When you first came to the United States. Et tu vas par exemple dans un store. And that you go to a store for instance. Le gars parle son anglais. And the guy speaks his English. Franchement, on a souffert. We truly suffered. Et si tu regardes à comment tu vas parler ton anglais. And if you look at how you're going to speak your English. Il va même pas t'entendre. He won't even hear you. Parce que tu prends conscience de la défaillance de ton langage. Because you're conscious of your defect of your language. Mais toi, ce que tu écoutes, tu demandes pour dire c'est lui qui doit te comprendre, pas toi qui doit te faire comprendre. But what you have to do is to make sure that he is the one who has to understand you. Est-ce que tu me comprends? And not the other way around. Do you understand me? Parce que plus tu te focalises sur comment tu vas parler, tu because the more you focus on how you're going to speak, you will never express yourself. Parce qu'en t'exprimant, ta langue va s'alourdir. Because while expressing yourself, your tongue will get heavy. Ta pensée. Your talk ne pourra pas être bien exprimé par le langage. Will not be able to be expressed well by your language. Oh, ta pensée est claire. Though your thought is clear. Mais à cause du fait que tu te dis l'anglais qui va sortir là. Because of the fact. Et Dieu, est-ce vraiment pas le fact that you tell yourself that the English that will come out. Oh God, will they understand? Tu n'as pas de confiance en you toi. You don't have any confidence in yourself. Donc même quand tu parles là, il y a pas d'audace pour sortir la phrase que tu as quand même appris. So when you speak, you don't even have the audacity to bring the sentence that is in your head. And you blurt. Why? Because you focus on your defect. Oh, on your weaknesses. Spanish can you though the Spanish when he comes. The Spanish. The Chinese when he comes. He starts speaking in language and you say, what is it? And then they ask you, lui-même, il comprend rien. Himself doesn't understand English. Et il te demande si toi tu comprends pas l'anglais. And he asks you if you don't understand English. Déjà, tu es carrément tu es complexé déjà. Already you complex. Oh, le problème c'est lui-là. That is the problem. Il dit, you don't understand English. And he tells you, il te dit, anglais. Tu dois me comprendre. And he's telling himself, you need to understand me. Est-ce que vous comprenez? You understand me? Non, frère. No, brethren. Focalise-toi sur Dieu qui est en toi. Focus on God that is in you. C'est Dieu qui t'a appelé. On God who has called you. Et c'est Dieu qui est capable de te pardonner. And on God that is able to forgive you. Voilà. Et puis aussi. And also. Ne te focalise pas sur ce qu'on t'a fait de mal. Do not focus on what was done bad to you. Non, tu ne vas jamais avancer, papa. No, you'll never go forward. Si l'ennemi va t'aigrir. Because the enemy will make you bitter. Est-ce que tu me comprends? Do you understand? Il va t'aigrir. Oh, quand tu es aigri, le Saint-Esprit n'agit pas. So when you're embittered, the Holy Spirit doesn't act. Il t'envoie des pensées pour t'envoyer des mauvaises choses qu'on t'a fait. Et tu es aigri. It brings you thoughts to bring you to tell you bad things that were done to you. And that's the best way to stop you. Au lieu de penser à ça, pense que si Dieu toi t'a pardonné, c'est qu'il peut pardonner les autres. Instead of thinking of that, think that if God has forgiven you, he can also forgive others. Est-ce que tu me comprends? Do you understand? Ou bien dis-toi, mais toi aussi tu as gâté. Or tell yourself that you've also messed up. Donc eux aussi sont en train de se débrouiller. So, avant de se relever, accepte. So also managing before they prise à se relever. Tu ne peux pas te fatiguer. Don't tire yourself. Don't tire yourself. Alléluia. Donc pendant que tu es en train de regarder, parfois comment il a fait mal, regarde so comment Dieu t'a pardonné. And how it did bad. Look aussi at how God tu God as les laisser tout de suite. Immediately you will leave them. Est-ce que tu me comprends? Yeah. Do you understand? Alléluia. Amen. Dis aussitôt il a mis en valeur. So immediately he put value. Aussitôt il a commencé à agir. Immediately he started acting. Il n'a pas regardé ce qui peut l'arrêter. He didn't look at what could stop him. Il n'a pas regardé aux circonstances. He didn't look at the circumstances. Il n'a pas regardé à son incapacité. He didn't look at his own abilities. Il s'est dit c'est le maître qui a donné. He said to himself that it's the master that has given. S'il me dit de faire, so if he's telling me to do it, il va se débrouiller pour que je fasse. He will manage for me to do it. L'essentiel, je vais sur le terrain, c'est tout. The essential is for me to be on the field. Même si elle ne sait pas faire, even if I don't know how to on do me it, demande, je dis c'est le maître qui m'a envoyé. It is the master that has sent me here. Et ça te qualifie déjà. Dis celui qui a besoin, tant que le maître m'a envoyé, tell you never, as long as the ça me qualifie. It qualifies me. Alléluia. Amen. La Bible dit le deuxième. The Bible says the on second. On lui a donné deux talents. He was given two talents. Lui aussi, aussitôt. He too, immediately.
aussitôt. Immediately. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'attendre. It means you don't have the right to wait. Si tu dis non, je ne sais même pas quoi faire. Non, non. If you say no, I don't even know what to do. No, no, no. Bien, dérange les gens pour que tu saches quoi faire. Disturb people for you to know what to do. Tu vas voir qu'il y a beaucoup à faire dans la You will see that there's a lot to be done in the house of the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, on dit celui qui avait un talent. Now they say he who had one talent. On dit il allait, il s'est dit quelque chose. He told himself something. Il a commencé à cogiter. He started thinking. Et bon, je sais pas. Check un peu qu'est-ce qu'il s'est dit. Check. Okay, let's check what he said. Parce que tu ne peux pas être dedans. Donc regarde bien ce qu'il a fait pour ne pas. Because you can't be part of it, so look at well what he did, so you won't do that. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah. Il dit j'ai eu peur et j'ai caché. Donc ça c'est la bonne expression. And I dug in the ground okay. And hid the Lord's money. On va arriver à lui après. Okay, we'll get to him later. Mais dans tout le compte là. Now in all of them. Le Seigneur est revenu. The Lord came back. Il reviendra toujours. He will always come back. D'abord. First, quand on parle du retour de Jésus, when we speak of the return of Jesus, il y a la révélation. There's a revelation. Il y a ce que j'appelle visitation. And then there's what I call visitation. Révélation là. Revelation. C'est lorsqu'il revient pour l'enlèvement. Is when he comes for the rapture. Amen. Non, écoutez. No, listen. On est d'accord pour ça. Do we agree on that? Est-ce que tu sais que Jésus revient? Do you know that Jesus non, nous chrétiens là, c'est pas no, toujours, toujours. Alléluia, culte. It's not always alléluia. Chasser les démons. Cast away demons. Prêcher. Gagner les nouvelles âmes. Win new souls. Ramener à l'église. Bring them to faire the des church, disciples. Make disciples. Il y a un moment. There's a moment. Où ça là, ça va s'arrêter. Where that will stop. Et ça arrive. And it's coming. Yes. Ça peut être même aujourd'hui. It may even be today. Ça peut être même aujourd'hui. It may even be today. La Bible dit. The Bible says. Croyez listen, en Dieu et puis croyez en moi. Believe in God and believe in me. Il dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. He said there are many compartments in the house of my father. Il dit si cela n'était pas, je vous l'aurais pas dit. There are many mansions in the house of my father. If that wasn't so, I wouldn't tell you. Préparer une place. I'm going to prepare a place for you. Et quand j'aurai fini, and when I'll be done, je reviendrai vous prendre. I will come back to get you. Et je irai avec vous. Vous serez là où je suis. And I will go with you, and you will be where I am. On dit consolez-vous par cela. Say console yourself with that. Ça veut dire pendant que tu suis la terre. It means that while you're on earth. Ça peut être dur. It may be tough. Jésus n'a pas dit la vie chrétienne ce sera. Joyeuse toujours. Jesus didn't grand. Say that Christian life will be joyful. Ça peut être dur. It may be tough. Voilà pourquoi on dit consolez-vous. This is why we say console one another. Mais il te dit l'élément de la consolation. The element of consolation. Il te dit il revient te prendre. It tells you that he's coming back. Le Seigneur revient te prendre. The Lord is coming back. Il revient nous prendre. He's coming back to take us. Écoutez, à chaque fois je m'attends au Seigneur. Listen, I'm always expecting the Lord. Au cas où la trompette sonne. I'm telling myself in case the trumpet sounds. Au cas où la trompette sonne. In case the trumpet parce que ça peut même sonner aujourd'hui. Because it can even sound. Tous les éléments sont réunis pour que Jésus revienne maintenant même. All the elements are in place for Jesus to come back even right now. Et nous allons disparaître en un clin d'œil. Tout le parti. Disappear in the blink of an eye. Donc quand on passe de l'île, toi qui es compte de 10 000. So I'm telling myself somewhere you have an account of 10, 20, 30,000 dollars. How is your family going to have access to it? Those who are not saved yet. Au moins, sont restés. At least they've said they've stayed. Restant, but comment ils vont faire pour avoir ça à ton agence aux États-Unis? How would they manage to have access to your money here in the United States? Envoie ton code, tout ce que tu peux faire à ceux qui sont pas encore en Christ. So send your code and all that you can do to those who are not in Christ yet. And tell them how they can have access to what they can have, at least money. Pour se débrouiller sur la terre avant même de prendre le chip de la bête. Before even taking the mark of the beast. Prends des dispositions. You have to take some dispositions. Parce que les 10 000 dollars, que 15 000 dollars que tu as, 10,000, 15,000 dollars that you have, you're gone and that's it. C'est fini. C'est vrai, toi tu es en train de te réjouir, mais ta famille ne s'est pas encore sauvée. But how about your family that's not saved yet? Cet argent est zéro. That money is zero. Quand tu seras, si tu es resté, now if you remain, l'argent va rien te dire. Money will that won't matter to you. Foyer va rien te dire. Marriage won't matter to you. Enfant va rien te dire. Children will not matter to you. Et peut-être même l'enfant va partir. And if, maybe the child will even leave. Si c'est pas le diable qui a donné l'enfant là. If it's not the devil who gave the child would go.
Est-ce que vous me comprenez? Do you understand me? Donc tu l'as en main comme fou, enfin parce que. So you have it in your hand and boom, it disappears. Donc tout ce que tu peux vouloir préserver sur la terre. So all those you may want to preserve on earth. N'aura aucun sens. It will have no meaning. Tu vas être sûr, tu n'auras pas besoin de foi. Tu sauras que la parole de Dieu est la vérité. You will know that the word of God is. Et tu sauras que tu es en danger permanent. Tu es en danger permanent à chaque seconde. And you will know that you're in permanent danger every second. Donc ce que tu as fait, je sais. What will tu as cherché à voir quel autre chrétien qui est resté pour que vous regroupez. You will seek to find if another Christian remains so you can gather. Pour vous savoir comment vous cacher. To know how to hide. Et très bientôt tu seras because identifié. Very soon you will be identified. Pas par les hommes, par l'esprit de l'antéchrist qui est sur les hommes. By the spirit of the antichrist that's on man. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Okay, now, maintenant. Donc Jésus revient. Now, so Jesus is coming mais back. On ne parle pas de ça aujourd'hui. But don't speak of that today. Parce que quand il va revenir, puis on, because when he'll come on partira avec lui. And we'll go with him. Il va récompenser tous les chrétiens. He will reward all Christians. Selon la manière dont tu as travaillé sur la terre. According to the way you've walked on earth. Dans l'église de Dieu. In the church of God. Envers les frères. Towards the brethren. Au niveau des âmes que tu as gagnées. With the souls that you've won. Dans le fruit de ton caractère. In the fruit of your character. Rappelez-vous les fruits que tu remember as. Remember the fruits. Et sera récompensé. And you'll be rewarded. Chacun sera récompensé. Everyone will be rewarded consequently. Mais aujourd'hui aussi. Now today also. Il y a ce qu'on appelle la visitation. There's what we call visitation. Tu es actif dans l'église. You're active in the church. Actif sur le terrain dehors. Active on the field outside. Souvent le Seigneur vient faire l'évaluation. Often the Lord comes to evaluate. While we're alive, while we're not raptured yet, yes, he comes to do an evaluation. You remember the parable of the fig tree, the berry fig tree? He came to see what fruit? He said, for 3 years I'm seeking. Tu vas avoir l'évaluation. So there will be an evaluation. Ce que Dieu t'a donné ton savoir-faire. What God has given you, your know-how. Qu'est-ce que tu as fait avec ça? What have you done with it? Demande à celui qui est près de toi. Ask your neighbor. Alléluia. Amen. Alors quand le Seigneur est venu. So when the Lord came. Et que il a pris le premier. And that he took the first one. Le premier dit tu m'as donné cinq, j'ai eu cinq encore. The first one said you gave me five and I got five more. Il dit bon. He said good. Bon et fidèle serviteur. Good and faithful servant. Rentre, tu as, ok, tu as été fidèle. You were faithful. Je vais en peu de choses. In small things. Donc je te donnerai encore. Plusieurs, je t'établis sur plusieurs choses. So I will establish you on several things. Ça, c'est le principe du Seigneur dans la maison de Dieu. That's the principle of the Lord in the house of God. Dieu commence toujours petit. God always starts small. Tu es fidèle, Dieu commence à t'élever. You're faithful and God starts parce elevating. Parce que c'est ce qu'il fait là. Because in what he does, you're faithful. On dit quoi? Bon et fidèle. C'est good and faithful. Deux éléments. Two elements. Bonté de cœur, c'est-à-dire l'état de cœur dans lequel tu travailles. Goodness of heart. It means the state of your heart. With which you walk in the house of the Lord. Ce qui est bon, c'est ce qui présente des qualités supérieures à la normale. What is good is what presents qualities that are superior to normal. Mais quand on voit au niveau de l'esprit de la parole de Dieu. But when we see at the level of the spirit of God, of the word of God. Ce qui est bon est différent de ce qui est mauvais, n'est-ce pas? What is good is different from what's bad. Le bon là. The good. C'est lié à la bonne disposition de cœur. Is linked to the good disposition of your heart. Le mauvais, vous vous rappelez dans Acte chapitre 17? You remember in Acte chapter 17? Vous vous rappelez? Acte chapter 17, do you remember? Où on parle que c'est des sentiments nobles. When they were speaking of noble feelings. Alors donc, le bon là, c'est lié à des sentiments nobles. So the good is linked to noble feelings. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Ça veut dire quoi? What does it mean? Cœur de paix. Heart of peace. Peaceful heart. Qui aime la paix. Who loves her. Peace. Qui aime la joie. Who loves joy. Qui n'aime pas les troubles. Who doesn't like troubles. Vous comprenez? Do you understand? Comment tu fais ton ministère. So how you do your ministry. Qui ne fait pas de mauvaises compétitions. Who doesn't do bad competitions. Exemple d'hypocrisie. Example of hypocrisy. Qui ne fait pas de croche-pied. Example of hypocrisy. Who doesn't tackle you. Qui peut laisser l'autre aller. Who can allow the other one to go. Qui pardonne facilement. Who
forgives easily. C'est l'état de cœur. It's the state of the heart. C'est très important l'état de cœur. It's very important the state of your heart. Tu n'es pas jaloux de les choses de Dieu. You're not jealous of the things of God. La Bible dit, ce qui est bon pour ton frère là, c'est bon pour toi aussi. The Bible says what's good for your brother is also good for you. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? État de cœur bon. State of your heart. Normalement, quand l'esprit de Dieu vient en toi. Normally, when the spirit of God comes, tu exprimes l'amour. You express love. Tu peux pas vouloir du mal à ton frère. You want bad to your brother. C'est par là qu'on peut savoir que quelqu'un est de nouveau. That's where we can see that someone is truly born again. Parce qu'il aime les frères. Because he loves the brethren. Il veut ce qui est bon pour les autres. He wants what's good for others. Il a l'esprit de sacrifice. He has the spirit of sacrifice. C'est différent d'être égoïste. It's different from being selfish. Ingrat. Unfaithful, ungrateful, egocentric. Egocentric. C'est-à-dire c'est quand c'est lui, ça va. And when it's him, it's okay. Quand on parle pas de lui, il est frustré. When they don't speak of him, he's frustrated. C'est-à-dire qu'il n'est même pas mort, il est là, c'est lui. It means he's not even dead, he's there. C'est son intérêt. He's the one living, he's seeking his own interest. Son intérêt, c'est pas intérêt de Dieu ou intérêt de l'autre. He's not seeking the interest of God or the other. Ça c'est important dans le service. That's important in the service. Parce que rappelez-vous, le maître de l'œuvre c'est le Saint-Esprit. Because remember, the master of the works is the Holy Spirit. Jésus dit, priez le maître de l'œuvre pour qu'il envoie des ouvriers dans le champ. The Bible says, pray the master of the work for him to bring workers. Et l'Esprit de Dieu sonde les cœurs de tous les chrétiens. Il and the Spirit of God searches the heart of all the Christians. Voilà pourquoi Dieu travaille toujours selon le mobile de ton cœur. This is why God always works according to the motive of your heart. Arrange-toi pour être devant Dieu intègre. Est-ce plus bon? Parce que Dieu, c'est Dieu qui regarde, il voit. Nous on voit pas, c'est Dieu qui voit ton cœur. So manage to always be straight, right before the Lord, because God sees. We don't see your heart. Est-ce que vous me comprenez? God sees it. Do you understand me? Est-ce que tu me comprends? Yes. Do you understand me? Et fidèle serviteur. Good and faithful servant. Donc bon là c'est important. So good is important. Demande à celui qui est près de toi. Ask your neighbor. Est-ce qu'on peut dire que Dieu attention de vous? Bon, dis-lui comment toi tu es. Ça aussi, c'est okay. Compliqué. Tell him how you are. Dis-lui, si tu peux te répandre, vas-y. Tell him if you can repent, go ahead. Comment ça? Bon et fidèle serviteur. Good and faithful servant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le mot fidèle ici, c'est celui qui. And the word faithful here. Qui a le souci de la parole donnée. And he is he who's conscious of the word that's given. Celui qui respecte ses engagements. He will respect his commitments. Celui qui est soucieux de son de sa responsabilité. He who is as the conscious of his responsibility. Et celui qui regarde son devoir et il est fidèle à ça. And he who looks at his duty is faithful to that. Dieu regarde la fidélité. God looks at the faithfulness. Surtout quand c'est difficile. Especially when it's difficult. Voilà pourquoi il dit persévérer. This is why he says persevere. Frère, c'est ça que Dieu regarde. Brethren, that's what God looks c'est at. C'est pas comment tu as trop travaillé ou comment j'ai trop prêché. It's non. It's not how you've worked too hard or how I've preached too much. Quel que soit le temps. No matter the time. Quel que soit le mouvement. No matter the movement. Quel que soit l'humiliation, les injures. No matter the humiliation, the est-ce qu'il va venir prêcher même chose là? Will he come and preach the same? Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Quelles que soient les paroles qui sont tombées sur lui. No matter the fight that fell upon him. Est-ce qu'il sera toujours à temps, à l'heure, toujours à l'heure ou toujours dans ce qu'il est en train de faire? Or always being what he's doing. Bon et fidèle, c'est ça que Dieu regarde. Good and faithful servant. That's what God looks at. Rappelez-vous, hein? Remember. Quand on a vu ça. When we saw that. Ce qui détermine les relations futures entre Dieu et son disciple. What determines the future relationship with God and his disciples are those two things. Si l'état de ton cœur n'est pas bon. If the state of your heart is not good. Et tu n'es pas fidèle. And that you're not faithful. Ta relation avec le Seigneur. Your relationship with the Lord. Elle ne sera pas du tout bonne, frère. It will not be good at all, brother. Yes, yes. Amen. Amen. Le dernier serviteur, Dieu lui a dit méchant et paresseux. The last servant, God told him wicked and lazy. Il dit non, moi je savais que tu étais. He said, oh no, I knew that. Il a développé des préjugés par rapport même à l'intégrité du Seigneur. He's developed prejudice even about the integrity of the Lord. Souvent les chrétiens ont une audace. Often Christians have an audacity. Au point même d'aller être frustré contre Jésus-Christ. To the point of even going to be frustrated against Jesus Christ. Écoutez, ça arrive. Listen, it happens. Écoutez. Listen. Tu vas pas dire à Jésus, je suis fâché contre toi.
You won't tell Jesus, I'm angry at you. Ça va se voir dans comment tu as tenu ton ministère. It will be seen in how you will do your ministry. Tu es en train de lui dire, moi je suis. Parce que le ministère, c'est pas le pasteur, ça sert. Because the ministry is not serving the pastor. Le pasteur profite seulement. The pastor benefits from it. Et je profiterai bien. And I will benefit. I will profit from it. Mais c'est Dieu que tu sers. But it's God that you serve. Quand tu es fidèle à l'église, c'est pas when you're faithful to the church, it's not for the pastor, it's for God. Mais ta fidélité n'est pas fondée sur l'homme là. Non. Because your faithfulness is not founded on the man. Not the other brothers. Si vraiment tu as la crainte de Dieu, c'est dans ça là, ça se voit. If you truly have the fear of God, it's seen in that. C'est pas dans la bouche. Hein? It's not in your mouth. C'est pas dans le cœur. Tu dis moi j'ai la crainte de Dieu. It's not in your heart. You say I have the fear of God. No. C'est les actes qui montrent qui tu es. It's the acts that show who you are. Répète à celui qui parle doucement. Repeat it to your neighbor. Doucement. C'est les actes qui vont te montrer qui tu es réellement. It's the acts that will show who you truly are. Aha. Alors donc il a mis ton préjugé au Seigneur. Je savais so que tu étais comme ça. He had prejudice. He had prejudice donc, towards the Lord. Donc quand quelqu'un est méchant, so when someone is wicked, il trouve toujours des alibis pour ne pas faire ce qu'il doit faire. He always find alibis to not to do what he's supposed to do. Rappelle-toi, méchant là, c'est pas cœur que méchant là, c'est cœur qui est quoi? Jaloux, aigri, wicked frustré, is a heart that is jealous, embittered, frustrated, égoïste, selfish. Susceptible. 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 On dit toute espèce de méchanceté. This is why we say all kind of wickedness. Vous voulez que je vous prouve ça? Do you want me to prove that? Allons-y dans Ephésiens chapitre 4 verset 30 et continue à 31. Let's go into Ephesians chapter 4 verse 30 and continue to 31. C'est pas partout où on te dit ça. Laisse-moi te parler. You want me told that everywhere? Allow c'est me to speak nous to you. Nous sommes au ciel, c'est ça. Because we are going to heaven, that's mais it. Sur la terre, ici aussi, on est debout. But here on earth also, we're standing. Même si on nous pousse un peu, c'est pas grave. On va se relever. Even if we push a little, it's okay. We will come back up. Même si aujourd'hui, je pleure un peu, attends, j'arrive bientôt. Je me relève. Même si il y a mes larmes coulent un peu, little, c'est pas grave. Il y a un temps okay, pour pleurer, mais il y a un temps pour rire aussi. A little bit, it's okay. There's a time to cry, but it's also a time to laugh. Ah. Même si on dit, je passe comme ça, moi j'ai dit c'est pas grave. Even if I mais go t'en like fais that, pas. I say it's ça, c'est pour un temps seulement. Don't worry, that's only for a time. Tant que je sais qui est mon berger. As long as I know who is my shepherd. Ah, alléluia. Bon, allons-y. Ephésiens chapitre 4, verset 30. On dit quoi? So let's go to Ephesians chapter 4, verse 30. N'attriste pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellé en gage ou pour garantir la rédemption. And do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Donc, il y a des choses là que Dieu n'aime pas. So there's some things that God doesn't like. Qui l'attriste. That grieve him. Maintenant, on va voir ce qui l'attriste. Now we're going to see what grieves him. À le verset 31. So what verse 30? Allons-y. Let's go. Que toute amertume. Let all bitterness. Attends. Wait. Quand tu fais quelque chose là. When we do something to you. Tu es amer, non? You're bitter. À cause de qui? Because of whom? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Right? C'est lui qui est responsable, c'est pas ça? He's the one who's responsible. Mais qui est amer? But who is bitter? Et qui est attristé? C'est l'autre. And who is grieved? Is it the other one? C'est le grand Dieu qui est en toi. Is a great God in you? Et lui là-bas? How about him there? Il sait même pas. He doesn't even et know. Et si c'est un bon païen ou un chrétien charnel? Pagan or a carnal Christian? He doesn't even have time with you. Il va même pas se repentir. He won't even repent. Amertume, c'est toi. Bitterness. Oh, c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Though it's someone who did that to you. Et quand amertume, qu'est-ce qui vient avec amertume? And when there's bitterness, what comes with bitterness? Physiquement. Physically. Maladie. Hypertension. Et puis quoi? Blood pressure. Ulcère. Ulcers. Stomac. AVC aussi. Stomach pain. À cause de quelqu'un qui s'en fout. Because of someone who doesn't care. Quelqu'un est bon païen. A good pagan. Qui réussit à gérer ton cœur comme ça. Who is successful in managing your heart like that. Jamais je permettrai ça. Tell ma joie va protéger mon cœur. My joy is going to protect my heart. Et puis toi aussi. And you too. Pourquoi toi tu peux être tellement faible? Why can you be so weak? Quelqu'un te contrôle les remote. To the point that someone controls you with a remote control. Tu ne veux pas où tu es.
Et puis il diminue la dose. Il fait volume. And he lowers the volume. Et puis après, il a toujours augmenté le volume. And then he increases the volume. Pour augmenter le volume, tu passes derrière. To increase it, you go by, he looks at you and he hisses. And then your high blood pressure goes up. Comment tu peux bien jouer? Blood pressure goes up. How can you be a toy? Non, tu as celui qui a pris le volume. Je ne serai jamais de lui. I will never be. Non, incroyable. No, unbelievable. Bon, amertume, il y a quoi encore rapidement? Ok, bitterness, what else? Animosité. Wrath. Franchement. Et ça, tu n'aimes pas ça. C'est comme quand tu agis. Like it means when you act. C'est comme un animal, il réfléchit. As an animal, it doesn't think. Il y a 2 degrés. There are 2 degrees. Premier degré, c'est-à-dire quand tu es fâché, on te reconnaît plus. First degree is when you're angry, we don't even recognize you. Tu ne vois même plus celui qui est devant toi. You don't even see who is in front of you. Tu gardes le point, tout sort de ta bouche. You mess up the place, everything comes pourquoi out of your mouth. Pourquoi? Parce que tu es fâché. Why? Because you're angry. Ça, c'est quel état de distinction? What kind of state of distinction is that? Quelqu'un comme ça. Someone like that. Surtout à New York. Especially in New York. Non, tu vas te tuer rapidement. No, you will kill yourself quickly. Est-ce que vous comprenez? Do you understand me? Animosité, c'est Dieu n'aime pas l'esprit de Dieu. Animosity, God, the spirit of God doesn't like it. S'il faut un petit démon, c'est bon pour te rendre animal. Because it only takes a small demon to make you animal. Tu passes et puis bois, tu la vois, c'est toi. Non, écoutez. You go around and you just bark. No. What is the second degree? Animosité encore. No, wait, animosity again. C'est-à-dire, it means, quand tu es devant une épreuve, when you're facing a trial, ce à quoi on s'attend de toi, what are we expecting from you? Tu fais le contraire. Et you do the contrary. Tu t'en fous même de ce qu'on va penser. And you don't even care of what we'll think. Oh, tu dois te soucier de nous, ils vont mal me voir. Don't you have to be worried of the fact that they will see you badly? Mais tu t'en fous de comment on peut te voir. But you don't care about how you can be seen. Oh, quand même, tu es distingué. Though you're a distinguished person. Tu comprends un peu? Do you understand? À cause de toi-même, ta dignité. Because of your own dignity. Sois conséquent de tes actes. Be consequent of your actions. Est-ce que tu comprends? Do you understand? C'est ça que tu t'en fous quand même. No, I know that you don't mais care. Mais la personne qui est là-bas, là, but the person that's there, elle a une image de toi. Has an image of you. Une image que tu lui as donnée. An image that you've given him. Donc, quand il y a des situations, fais semblant au moins. Pretend at least. D'agir d'une manière to act in conséquente a way à l'image que tu as donnée. That is consequent with the image that you've given. Et puis, faut pas faire comme tu t'en fous aussi. And don't act as if you don't care. Celui qui est près de toi. Tell your neighbor. Je te respecte, pardon. I respect you, please. Demeure dans ce que j'ai vu. Remain in what I've seen. Ou j'ai confiance en toi, pardon. Oh, I trust in y'a you. Quoi encore? Y'a quoi encore? What else is there? Colère. Anger. Non, colère là, je vais pas entrer dans ce sens. I won't get into anger. Ça c'est un autre coup. Because that is another class altogether. Ça c'est un autre coup. That's normalement, normally, un chrétien, il peut avoir cette colère, il peut se fâcher. He can have only wrath. Mais quand tu te fâches là, but when you get angry, faut savoir où tu es, ce que tu dis. You need to know where you are and what you say. Dis-toi que après t'être fâché, and tell yourself that after being angry, tu vas devenir content. You will become happy. Donc c'est devant qui tu t'es fâché. So those in front of whom you get gérer angry, les implications de quand tu t'es fâché. You have to manage the implication of when you were angry. Après, quand tu es fâché, il y a les choses qui sortent de ta bouche. When you're angry, the things that come out of your mouth. Maintenant, après la colère, là, that after the anger, on est toujours là. We're still there. Répète à ceux qui prennent toi. Développe ça. Repeat it. Develop that. Après la colère, on est toujours là. Donc, after tout ce the que anger, tu as dit, ton there attitude quand tu étais en colère, là, so on est là, on attend. So everything you said, your attitude when you were angry, we're still waiting. Mais quand tu as fini, quand tu vas te défâcher, là on va parler. Si tu veux prendre 3 mois, 4 mois pour te fâcher, if you want to take 3 or 4 months, mais tu ne vas pas rester fâché. You will not remain angry. Même si tu es fort, tu as pris un an. Even if you're strong and you take on va t'attendre. We still wait for you. Quand tu vas te défâcher, on dit bon, il y a un an de cela. We'll say a year ago. Il y a quelques temps de cela. Tell your neighbor, there's some time ago. Non, frère, alléluia. Brethren,
On dit quoi? Il y a quoi encore? Qu'est-ce qu'on dit? What else is there? Qu'est-ce qui attriste l'esprit? What grieves the spirit? Il y a quoi? La quoi? Clameur. Clamor. Il y a quoi encore? What else? Calomnie. Evil speaking. Parler mal de ton frère, de ta sœur. Speak evil of your brother and your sister. Ou bien tu parles pas mal, tu poses une question comme ça. Oh, you don't speak une seule evil, question. But you ask one question, only one question. En même temps. And your sister is messed up already. Mais la question que tu as posée, destroyed already. Ça l'amène à douter même de sa chrétienté. Ou t'amène à douter. Because même the question you've asked brings her to even doubt her Christianity or herself. La personne dit non, je suis le Seigneur m'a béni. The person said the Lord has blessed me. Okay. And you go, okay. Tu es sûr que une seule question, ça dérange. You sure that only one question? C'est une seule question qui a fait que Eve a été paniquée à tout. It's only one question that made Eve panic and she messed up everything. Vous me comprenez? Do you understand me? Donc calomnie, la faut laisser. So evil speaking, et you ça, have to let dangereux. Go of it, and that's dangerous. Parce que la calomnie, c'est parler mal de quelqu'un, n'est-ce pas? Because evil speaking is speaking bad of someone, right? Et c'est ce que la Bible appelle blasphème. And this is what the Bible calls ça veut dire blasphemy. Briser le témoignage de quelqu'un. It means destroy the testimony of someone. Blasphemous. Blasphemous. C'est éclater le témoignage. It's destroy the testimony. Now, quelqu'un sur lequel Dieu a mis son choix. Now, someone on whom God has put his choice. Quand tu viens blasphémer son témoignage. When you come and blaspheme, tu vas contre l'esprit his testimony. You go against the spirit that is chosen. Voilà pourquoi Dieu dit, ne touche pas. This is why God says, ouais. Do not touch my anointed. Vous comprenez ça? Do you understand that? Et péché comme ça là. And tu it's dois payer like ça. That. Y a pas pardon dedans. You need to pay for that. There's no forgiveness in it. La seule de près toi. You be with your neighbor. Donc d'où là? Ne fais pas cela. J'ai dit faut. Il est ici, elle est ici. Et mais tu he's vois here, que le there. Seigneur commence à les utiliser. But you see that the Lord is going to use them. Faut pas te tromper. Faut laisser. Don't speak evil of them. Do not be mistaken. Ça ne va rien t'envoyer anyway. It won't bring you anything anymore. Est-ce qu'on se comprend? Do we understand each other? Alléluia. Alors, voilà ce gars-là. So here is that one, that man. Donc on dirait que Jésus savait pourquoi on lui avait donné un talent. It's as if Jesus knew why only given him one, parce qu'il avait only one talent. Détecté l'état de son cœur. Because he's already detected the state of his heart. Donc ce qu'il a fait. So what he did. Il ne peut pas donner plus à quelqu'un qui va mépriser. He can't give more to someone who's going to despise. Mais lui a donné quand même l'occasion d'être fidèle dans le peu là. But he's still giving him the opportunity to be faithful in the little thing. Essayer d'être fidèle est petit d'abord. To try to be faithful with a little first. Et puis là maintenant, on peut avoir confiance en toi. And there we can trust you. Répète à celui qui est près de toi. Repeat it to your neighbor. C'est à cause de l'état du cœur. It's because Dieu, of the state Dieu avait of your vu heart. Ça déjà. God had already seen that. Est-ce que tu me comprends? Do you understand me? Donc vous voyez, c'est so la fidélité. It's the faithfulness. Et la bonté de cœur. And the goodness of heart. Qui va déterminer tes relations avec le Seigneur. That will determine your relationship with the Lord. Dieu dit. God says. Un gars comme ça. A man like that. Enlever même ce qu'il a. Remove even what he has. Et puis donner à ceux qui en ont. And give to those who have. Et Dieu a donné un principe, on dit, and God gave a principle. On enlèvera à celui qui n'en a pas. It will be even taken to he who doesn't have. Et on donnera à ceux qui en ont. It will be given to those who have. Comment on peut enlever quelque chose à quelqu'un qui n'a pas? How can you remove, take away something from someone who doesn't have? Quelqu'un qui n'a pas. Someone who doesn't have. How are you going to remove? How are you going to take away? Celui qui n'a pas là. It means he who doesn't have. Ce qu'il a. What he has lui appartient pas. Does not belong to him. Vous voyez ça? You see that? Dieu avait donné pour qu'il soit fidèle dans ce qui ne lui appartient pas. God has given for him to be faithful in what doesn't belong to him. Ton petit talent que tu as, tes petits dons, savoir faire là, ça t'appartient pas. Your small talents that you have, your little know-how, doesn't belong to you. Je peux te montrer. Il suffit seulement que maladie, tu es sur l'hôpital, c'est fini. Quelqu'un doit te remplacer. Just need to be sick on a hospital bed, and someone else will replace you. Quand tu meurs, quelqu'un doit remplacer. Because it doesn't belong to you. You don't die with it. When you die, ça a été dit. Someone else does it on earth.
I'm telling you, that does not belong to you. Si tu crois que Dieu t'a donné quelque chose, ça t'appartient pas. If you believe that God has given you something, c'est quand tu es fidèle face à cette chose. It's when you're faithful. Et avec bonté de cœur. And with goodness of heart. Que Dieu maintenant dit bon, venant te donner pour toi. That God says that, okay, we're going to give yours. Vous comprenez? Do you understand me? Vous comprenez un peu là? Do you understand me? Bonté de cœur est quoi? Goodness of heart and faithfulness. Bonté de cœur c'est quoi? C'est comment tu es avec les frères. Goodness of heart is how you are with the brethren. Love. Mal aux frères. Don't do evil to the brethren. Don't do that. Come on. Un chrétien c'est qu'il est précieux devant Dieu. A Christian is precious before God. La Bible dit j'étais à l'hôpital. Jésus dit, tu allais me voir. Jesus said I was in the hospital and you went to visit me. J'étais en prison, tu allais me visiter. I was in prison and you went to visit me. Et les gens lui disent, mais depuis quand on a fait ça? And people say, since when have we done that? Il dit, mais quand tu as fait ça pour un de mes petits? He said, when you've done it for one of my little ones. Un petit chrétien même qui n'est rien dans l'église. A small Christian that's not even anything in the church. Tu as fait ça. Is as if you did it for me. Donc arrête de choisir les amitiés dans l'église. So stop choosing friendships in the church. Celui-là a bon boulot, tu vas vers lui un peu. Oh, this one has a good job, you go towards him a little. Celui-là il s'habille un peu bien, tu vas un peu plus. This one dresses a little well. Celui-là il vient avec une voiture bizarre, au point tu vas venir un peu plus. Oh, this one comes with a nice car and then you go towards him. Ça c'est mauvais cœur. That's bad heart. Wicked heart. Ou bien. Or else. Celui a donné un petit témoignage que en tout cas Dieu m'a béni. This one gives a small testimony. Frère, oh, God has blessed me. Te oh, you call him, oh, brother, have you slept well? May the Lord bless you. Arrêtez ces amis. Stop these friendships. Alléluia. Alléluia. Bonté de cœur, quoi? Goodness of heart. What else? Comment on peut voir que tu es fidèle? Faithfulness. How can we see that you're faithful? Quand quoi? Non, les évêques vont pas comprendre. On va pas dire comprendre, pas moi. C'est quand un problème. It's when there's a problem. C'est quand on t'énerve là. It's when you get angry. C'est quand c'est dur. You make angry. That's when you see your faithfulness. It's when it's tough. Especially the pastor. Mais c'est là il va voir. It's when he gets you angry. Et surtout, je viens sous le pouvoir. And then he preaches. And especially I come and I go, how are you? Et ça, tu peux pas faire ça, tu oublies le sourire aussi. And that, you get it to smile with me. Comment ça va? And I go, how are you? Especially his mother. She shot me. The husband and she said, no, Pastor, I'm angry. Alléluia. Amen. Dis à celui qui peut être fidèle, l'affaire va se finir. Tell your neighbor, voilà. Let's be faithful and then we'll end it. Sois fidèle, bon de cœur, ça va finir. Let's be faithful and have a good heart. C'est pas grave. Même quand il y a un problème, dis-toi que quand tu es fidèle, even when there's a problem, tell yourself that when you're faithful, tu es fidèle envers Dieu. You're faithful towards God. Quand tu es bon de cœur, when you have a good heart, c'est à cause du Seigneur. It's because of the Lord. Alléluia. Amen. Et dis-toi que. And tell yourself that. Est-ce que Dieu t'a donné quelque chose? Has God given you something? Est-ce que vraiment Dieu t'a donné quelque chose? Has God truly given you something? Tu es sûr que Dieu t'a donné un savoir-faire? You sure that God has given you a know-how? Hein? Frère. Brethren. Il paraît que j'ai une de mes filles là qui a pris un ministère là-bas. I heard that I have one of my daughters who took a ministry there. Ce ministère là, si vous me s'il n'y a personne, je vais descendre là-bas. That ministry, if there's no one, I'll go there. C'est laver les assiettes. Amen. It's washing the plates. Surtout les marmites. The pots, especially the pots. Quand je lave une marmite. When I wash a pot. Non, c'est pas. Vous comprenez pas. No, you don't understand. Vous comprenez pas. Le noir, tant que ce n'est pas quitté, je ne laisse pas. You know, right? When the black spot doesn't leave, I don't leave the donc, pot. So when I clean a pot, it shines like that. And then I put it aside. Et puis, notre marmite. Then I take another pot. Donc, si quelqu'un laisse, je descends là-bas. So if someone leaves that ministry, I'll go there. Et puis, cirer la marmite. And clean the pot. Alléluia. Et puis, bien fait. And do it well. Parce que les anges te regardent. Because the angels are watching. Ce sont tes collègues. They are your colleagues. Lève la voix, dis merci au Seigneur. Raise your voice and thank the Lord.